Yahoo mon petit bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau yaoi et je vais te parler du manga Celui que j'aime ou presque. Le manga Celui que j'aime ou presque est un one-shot des éditions Boss Love dans la collection Anna. Nous sommes sur un manga qui est dans le genre romance, étrange vie, tout ce qu'il y a plus classique. La série date quand même de 2014 au Japon et de novembre 2018 en France. Et nous sommes sur une œuvre de Harada qui est un mangaka qui a d'autres œuvres disponibles en France. On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures et je te dirais très simplement que la qualité des couvertures est plutôt sympa. D'ailleurs, il faut savoir que rien qu'à la qualité des couvertures, j'ai reconnu que c'était Harada, donc ça prouve qu'au moins il a su gérer au fait que j'ai pu reconnaître que c'était le même auteur qu'une autre œuvre que j'avais pu déjà lire. Pour ce qui est de l'illustration à l'avance, ce que j'aime énormément, c'est qu'on voit bien le caractère des deux personnages. Autant on a le mec assez sévère et dur, froid, distant, etc. Autant on a l'autre qui est plutôt mignon, doux. Même si là on a plus un petit sourire un peu pervers, j'aurais préféré qu'il ait plus un regard doux, timide, naïf comme il est au tout début, plutôt que ce petit sourire en coin, ce petit regard qui est... Il y a un petit foiré en fait au niveau des expressions du visage du second qui est à l'arrière. Après, ce que j'ai su adorer, c'est que donc la couverture est dans un rose assez pétant, comme la dernière couverture de l'autre œuvre que j'avais pu lire. Mais ce que j'ai su adorer au niveau du détail, c'est que l'un a la cravate bleue, l'autre a une cravate, voilà, il y a un dégradé de couleur au niveau des cravates qui est plutôt cool. Et surtout, si on regarde bien, les deux ont la même couleur de chemise qui est la couleur de la couverture. Ça, j'ai adoré. Ce que j'ai aussi surkiffé, c'est que en fait, absolument tous les bords de la jaquette, même à l'intérieur, sont de la même couleur. On est sur une seule et unique couleur et ça, je trouve ça classe. Le blanc et rose, c'est plutôt cool. Au niveau de l'avant, au niveau du dos du manga. Non, ce que j'aime même, c'est pour l'illustration à l'arrière. Donc on a une fois de plus le résumé qui est en noir, la phrase d'accroche qui est en blanc, on reprend le blanc. Et les deux personnages, les deux autres personnages les plus importants de la série, car dans la série il y a vraiment quatre personnages clés. Les autres sont que du décor. Et donc j'ai trouvé ça sympa de les retrouver quand même à l'arrière parce qu'ils sont plutôt intéressants. Et s'il n'y avait pas eux, il n'y aurait pas l'histoire. Voilà. Quand on enlève la jaquette, on se retrouve avec un truc qui m'a énormément piqué les yeux. Parce que c'est comme des petites étoiles. Je ne sais pas si tu arriveras vraiment à voir avec mon face table. Mais c'est des petites étoiles et moi, ça me pique les yeux, mais un truc de malade. Je ne supporte pas du tout, du tout, du tout. Toujours est-il, donc à l'arrière, on a la présentation des personnages principaux de la série. Ce que j'ai pas aimé, par contre, c'est qu'on a aussi un chapitre en plus et qu'on a la présentation de ces deux personnages. J'ai volontairement flouté sur le face table la présentation d'un des personnages parce que si tu lis ça, tu te spoil un petit peu la série et c'est un petit peu dommage. Mais sinon, j'aime bien. Je trouve ça plutôt sympa, c'est chouette. Et puis voilà, c'est la petite surprise si tu ouvres le manga. Quand on ouvre le manga, on se retrouve avec une sublime illustration en couleur qui est très représentatrice de ce qu'on lit à l'intérieur. La petite page de sommaire qui est toujours dans les tons roses. Et comme tu peux le voir, en fait, la série s'arrête en fait à page 179. Après, on a le bonus, je crois, qui est carrément une histoire en plus. Ou je sais plus où, en fait, exactement. Mais voilà, on a une petite histoire qui n'a rien à voir. Et après, on commence directement le manga. Voilà. Donc, on attaque avec mon avis sur la qualité du dessin. Il faut savoir que j'ai déjà lu une œuvre de Harada. Donc, au final, je connais déjà cette qualité de dessin. Et je dois t'admettre que rien qu'en voyant la couverture, j'avais reconnu sans avoir à lire, en fait, qui était écrit au niveau du mangaka. J'avais déjà reconnu donc que c'était Harada, rien qu'au coup de crayon. Et elle... l'apparence de la jaquette. En plus, si je dis pas de bêtises, l'ancienne jaquette était jaune pétant. Là, on est sur du rose pétant. Tu vois, on est vraiment sur des trucs qui vont attirer l'œil. Donc, j'ai vraiment reconnu Harada rien que par rapport à sa jaquette. Et ça, déjà, c'est un gros point fort. Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais que je préfère quand même la qualité de dessin à l'intérieur du manga, donc au niveau des pages, plutôt que sur les illustrations à chaque fois des jaquettes. Mais la qualité de dessin quand même pas mal hein, au niveau des illustrations de jaquette, il n'y a pas de problème là-dessus, je n'ai rien à reprocher au niveau de l'illustration de la jaquette, je tiens à préciser. Il faut savoir aussi qu'en ce qui concerne la qualité de dessin de Harada, je surkiffe sa qualité de dessin, j'adore la façon dont il dessine les expressions du visage, les visages en soi, même je ne serais pas expliquer mais j'aime sa façon de dessiner et de dessiner même par exemple les cheveux. Un truc tout bête, mais j'adore sa façon de dessiner les cheveux, les visages. Après, les corps en soi, bah, j'ai pas spécialement d'avis parce que c'est un corps. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de très différent par rapport à dans un autre manga. Mais au niveau du visage, voilà, tout ce qui est... Voilà, elle coupe la tête.
Toute cette partie-là, j'adore sa façon de dessiner. Ouais. Pour ce qui est de l'histoire, donc on est, bah, de toute façon, tu auras le résumé en barre d'infos, mais on est avec un nouvel arrivant dans une entreprise et son senpai. Et en fait, le senpai, dès le début, on nous explique après, à la fin du manga, pourquoi, mais lui demande d'être en couple et en fait, ça finit par un viol directement. Bon, on va dire que connaissant l'auteur, ça ne m'a pas surpris, mais c'est vrai que c'est assez particulier. Après, finalement, les personnages se mettent ensemble. Petit peu du mal avec ça, mais bon, je me dis que c'est une histoire, c'est pas la vraie vie, donc ça passe. C'est moi qui ai dit ça. Toujours est-il qu'après, au final, l'histoire continue et se forme. Les personnages sont très mignons ensemble, ils sont plutôt sympas en plus. Vraiment, on a un retournement de situation côté couple que je trouvais très intéressant parce que c'est la première fois que je le vois dans un yaoi, j'allais dire dans un hentai, bien sûr. C'est que au tout début, en fait, donc le senpai il est là et le nouveau élève, j'allais dire, le nouvel employé est ici. Donc, à un moment donné, le senpai au tout début, donc il viole le jeune homme. Sauf que après, à la suite, à un moment donné, c'est le jeune homme qui va pénétrer l'autre. Donc, les rôles de Uke et Seme sont inversés. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est très, 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 très rare dans un manga. Bon, tu vas me dire, à mon avis, dans la vraie vie, c'est plus ou moins la même. Mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant quand même que le rôle Uke et Seme soit un petit peu mélangé. Parce qu'il y a des couples où tu vas avoir très clairement le Uke et très clairement le Seme. Et autant tu as des couples où le dominant et le dominé, il n'y a pas vraiment. Tu es plus, par exemple, avec deux dominants. Voilà. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal qu'il y ait ce retournement de situation au niveau des rôles, au niveau de la relation charnelle, et qui est plutôt pas mal. Par contre, à savoir que si tu n'aimes pas trop voir des scènes charnelles dans un manga, celui-ci ne va pas être fait pour toi, parce que déjà on commence par un viol, il y a beaucoup de scènes de sexe, et voilà. Après, ce que j'ai adoré, c'est que donc on a l'arrivée d'un personnage. Alors, c'est pas un triangle amoureux, mais c'est un personnage qui va foutre un petit peu la merde. Et j'ai vraiment apprécié ce passage. C'est intéressant, c'est changeant, c'est sympa parce qu'en même temps, on est aussi sur un manga qui nous parle on est avec des adultes. Et je préfère quand même, de plus en plus, préférer les yaoi adultes que les yaoi avec des adolescents, des élèves, parce que j'en ai marre, j'en peux plus des histoires entre élèves parce que j'ai fait un petit peu le tour. J'ai commencé limite mes yaoi par que les élèves. Et donc forcément, ça m'intéresse un peu plus de me diriger vers le monde adulte. Si dans la vraie vie, j'aime pas du tout le monde des adultes. Mais c'est pas grave. Mais toujours est-il que j'ai vraiment apprécié cette histoire. J'ai adoré la façon dont c'était fait. J'ai adoré la façon dont c'était développé. Même si au final, je n'ai pas tant aimé cette série que ça. Parce que... Comment dire? Parce que c'est Harada. Je sais pas si ça se dit vraiment, mais il y a un truc chez l'auteur Harada qui fait qu'en fait on n'est pas forcément très à l'aise. Je ne saurais pas t'expliquer. En fait, le truc tout bête pour moi, c'est que ça a commencé par un viol. Ça aurait commencé par le gars fini par céder, par dire. Au départ, il dit non, 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 et puis finalement, se dire allez, ok, on va voir, on verra bien, voilà, on tente, je suis pas homo de base, mais bon, finalement, pourquoi pas, allons-y, essayons, voyons si je suis hétéro ou je suis homo. Oui, mais là, directement, le viol pur et dur, bof. Tu vois, et ça, en fait, c'est peu. Et le pire, c'est que ça dure une case. Au tout début, dans le manga, ça dure une case, ce détail-là. Mais ce détail a fait qu'en fait, je n'ai pas réussi à accrocher autant à la série que s'il n'y avait pas eu ce petit passage. L'auteur nous aurait supprimé ce passage ou alors nous aurait fait une relation de je cède, même céder. J'aurais préféré que du viol. Donc, après, c'est peut-être parce que moi, j'ai eu des petits problèmes de ce genre-là. Je peux admettre. Si tu connais, t'es pas encore au courant, voilà, hein. Mais c'est le détail en fait qui a fait tout foirer au niveau du scénario de la série. Après le personnage super chiant, super qui va foutre le couple en machin, c'est sympa, il est fun, il est original, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. On a des informations, des surprises, au tout début on croit que, et après on a une petite surprise, donc ça je trouve ça plutôt intéressant. Ça m'a pas dérangé. Toute l'histoire en soi est plutôt sympa, même s'il y a eu un petit passage aussi vers la fin que j'ai eu un petit peu du mal parce que c'est tellement pas possible, tellement pas réel, mais c'est pas grave parce que c'est plutôt sympa, c'est mignon et puis ça permet de terminer vite fait tout doucement l'histoire sans petit problème. Donc ouais,
En fait, voilà, c'est pas le truc très dérangeant, mais c'est vrai, ça fait perdre un petit point aussi en plus. Voilà. Donc, je vais quand même t'afficher une petite note au niveau du scénario, etc. Mais voilà, sache que moi, le point, la petite case et le petit passage de savoir que le gars il s'est fait gueuler, c'est pas un cédage ou quoi que ce soit, pour moi, ça a un petit peu cassé le truc. Voilà. J'irai pas plus loin, ça fait déjà 7 minutes que je suis là-dessus. J'irai pas plus loin, ça m'a cassé mon truc. Comme quoi, il faut des fois bien choisir ce qu'on écrit et bien choisir tous les petits passages et pas se dire ça ira plus vite. Non. Personnellement, je préférais qu'il fasse 3 pages de plus, le manga, et qu'on ait un cédage, je cède. Ouais, finalement, ouais, allez, on va le faire, plutôt que le passage du vieux. Cette vidéo sur le manga, celui que j'aime ou presque, est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. N'hésite surtout pas à me mettre en commentaire si tu connaissais ou pas la série. Est-ce que tu connais déjà le mangaka? Qu'est-ce que tu en penses? Combien d'œuvres as-tu lu de cet auteur? Et est-ce que au final, les autres œuvres sont à peu près dans le même genre et donc les choses que je n'aime pas, je vais aussi les retrouver dans les autres parce que j'hésite énormément à lire. Je crois qu'il reste une autre série en France que je n'ai pas lue. J'hésite énormément parce que j'ai peur d'être déçue. N'hésite pas à me mettre tout ça. Pense à aller voir donc les deux vidéos, les deux dernières vidéos Bozo que je te mets à côté en recommandation. À cliquer sur ma tête de banane pour t'abonner. N'oublie surtout pas la cloche pour être informé à chaque sortie de vidéo. Sinon, tu reviens le premier de chaque mois et tu as une vidéo planning. Et n'oublie surtout pas donc d'aller voir dans la barre d'infos pour avoir plus d'informations par rapport à pas mal de choses que j'ai laissé sous-entendre, comme déjà la date du jour où je filme, ou d'autres choses aussi que peut-être que tu n'as pas tout suivi par rapport à moi-même. Tout sera dans la barre d'infos, bien entendu. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve vendredi prochain pour un nouveau Yaoi. Sur ce, à bientôt!